Allô, gang! On dirait que j'ai accroché un piton. En tout cas, bon, vous me direz si c'est correct. J'espère que j'ai pas fermé le son. Je vous laisse vous connecter. Ça a brouillé, mon affaire. Connectez-vous! Dites-moi bonjour! Je suis à l'envers? Non, je suis correct. Hey, lime citron est déjà là. Je suis stressée. Je suis stressée, Seigneur! T'avais vraiment mis ton alarme. Salut, Joanne! Gang, là, je vais préparer déjà mes trucs pour faire le tirage. Salut Lise, salut Nicole. Donc, écoutez, j'ai eu le temps. J'avais un massage pour ça que je suis plus tard ce soir. Donc, voilà, je suis plus fling-fling, comme on dit. Donc. Ah, c'est sur mon iPad, hein, le truc. Ah, oh, chenoute. Je vais le faire avec vous en direct. Comme ça. Je vais déliter. Ça va vous laisser le temps de vous connecter. Qu'est-ce que vous pensez? super! Fait que tout ça qu'il y avait sera pas long. Là, juste le temps de faire ça. On va faire tirer les. On va retenir les deux numéros. Puis. Je vais vous le dire après en personne. Alors, super. Ah non. OK. Super. Alors, tout est beau. On pourrait spinner, là. Regardez. Je me suis pris des notes, là. Regardez pas mes notes. C'est pour voir si je fais le défi Limstrom. Mais là, vu que Jeannick est là, je suis peut-être plus trop stressée. Fait que je vais tirer les deux numéros. Puis après ça, je vais aller voir sur Facebook c'est qui a gagné. D'accord? Salut, Diane. C'est parti. Mon kiki. Super! Alors, numéro 23 a gagné. Je l'écris pour être sûre que CEP va peut-être me faire faire des erreurs. Salut, Caroline! Voilà. Et l'autre numéro, numéro 11. Alors, je vais vous dire qui a gagné de ce pas. J'espère que j'ai pas trop niaiserie dans mon Facebook d'ouvert. Il est où? Tiens, on va aller par là. Je n'ai pas d'affaires en même temps. Hein? Non. Je n'ai pas d'affaires en même temps, mon avis. Donc, bon, qui est le numéro? Hey, Seigneur, je me vois même en direct. Voilà ici, qui est le numéro 23? Anne-Sophie, super! Et le numéro 11, c'est Brigitte Fournier. Hey, super! Alors, je vais communiquer avec vous. Vous gagnez 25$ dans ma boutique. Donc, super, je communique avec vous. J'ai écrit vos noms et tout ça. Donc, pour tous les autres, je suis désolée. J'en fais souvent des tirages. Donc, félicitations. Oui, je vais pouvoir poster ton prix, Lise. C'est ça que je me disais en même temps. Salut, Milise. Salut, Marjolaine. Pour ceux qui me connaissent, j'en fais souvent des tirages. J'en ai peut-être pas un prêt après parce que là, il est quand même 8h30. Brigitte, tu viens d'arriver, bravo! T'as gagné 25$. C'est pas le fun, ça, quand on arrive pour on a un cadeau. Donc, voilà, je vous fais voter ce soir. Est-ce que j'ai fait le défi Lime Citron le dernier avec vous ou je fais ma page de mon album jaune? Que vous voulez jamais que je fasse, mais que moi j'ai hâte de faire. Alors, est-ce que je fais cette page-là ou je fais mon défi numéro 6, Lime Citron, et je finis le tournoi avec vous? Qu'est-ce que vous voulez? Répondez-moi ça en commentaire. Oh my God! Bravo, Brigitte! Répondez-moi ça. Là, vu que Jeannick est là, moi je suis plus stressée à faire les défis Lime Citron. Vous connaissez, Jeannick me met la pression. Je fais des blagues en passant. Défi Lime Citron, je sais, c'est ça qui va gagner, mais bon. Défi Lime Citron une fois. Ça me prend des commentaires. Jeannick, t'as pas le droit de voter. Défi deux fois. T'as le droit de voter, Jeannick. T'as pas le droit de dire des commentaires sur ma création et lettre tout de suite. Ben non. Je niaise, Jeannick, je suis pas stressée avec toi. Tu me connais. Défi, bon, ok, je savais. De toute manière, j'ai pas sorti d'affaires, je savais que ça serait ça. Donc, le défi, c'est de faire une page. Oups, j'ai échappé les affaires. Bon, ça va être le challenge Lime Citron avec du gros stress. Ouch! J'ai glissé sur mon chat. Oh, du cœur! J'ai accroché sa patte. J'ai brisé mon chat. Oh non!
Donc, je m'étais mis les affaires. Yannick, je peux te dire la réponse au truc? Enfin, je l'ai écrit sur le papier. Bon, bref, voilà le défi. Dernier défi, on va finir ça ensemble, gang. Ça va être cool! Puis, d'ailleurs, Yannick, j'ai... T'étais pas là les dernières fois, mais j'ai partagé des vieilles étampes de Colimagination. Puis, oh my God, ça se peut que tu te fasses demander la poule, le Père Noël ou des niaiseries de même. Bon, mais bref. Donc, je dois utiliser du rose, je dois ajouter des cœurs, utiliser des fleurs ou du feuillage, de la pâte et stencil Limstrong, j'imagine, hein? Puis page d'un livre, puis l'élément secret, ben, c'est la dentelle. Chut! Chut! Je pense que c'est ça. Donc, je vais aller me choisir. Faudrait que je me choisisse une photo amoureuse. Je me mettrai pas à face, c'est sûr. C'est sûr, sûr, sûr. Hey, là, je me sens mal d'avoir brisé mon chat. Hey, non, oui. Yannick, Père Noël, lettre et la poule. Puis ton champignon de feu, te rappelles-tu? Fait que les filles ont bien ri. J'espère qu'ils te demanderont pas ça. Tu sais, c'est des débuts, là. Puis on est allé voir aussi l'historique de quand commençait l'Imstrong. Pauvre toi, écoute, hein, tu devais avoir les oreilles qui s'y lisent cette journée-là. Je pense que oui. Ouais, je pense que c'est la dentelle, hein. En tout cas, si c'est pas ça, Yannick, sois fâchée. Mais c'est parce que sur les défis, sur les défis, il est pas écrit, voyons... sur les pages des DT, ils n'ont pas tous de la dentelle. Donc là, on se questionnait. On étant Cindy. Là. Oh my God. Bon, salut Maryse. Donc, je me trouve une photo, mais ça va être ça. Ça va-tu fitter avec du rose? Ben oui. Ouais. Ouh, je mets pink. Alors, ça va les artistes, hein? C'est ça que j'ai mis. Fait que ça va être celle-là. Je me trouve un papier. C'est parti, mon kiki. C'est parti, mon kiki. J'espère que mon chat va survivre. Je cherche un papier, mais pour vrai, je t'ai aucunement préparé. Hein. Je suis en train de faire un massage, là, 5 minutes. Fait que c'est pour ça. Pour ça, la zénitude de Cindy. J'ai-tu du papier rose là-dedans? Ah! J'ai peut-être trouvé un bonheur. Non. Oh my God! C'est beaucoup trop. C'est rose, ça. C'est vraiment une vieille collection de Studio Calico. Mais je vais y trouver un autre bout. Ça serait peut-être beau. Salut, Audrey. Mon amie Audrey-Anne Dorval vient de s'ajouter, mais qui vient jamais à mes lives. On comprend pas le bug. Je vais peut-être y trouver un autre bout. C'est là, à date, là, je peux cocher « Utiliser du rose » et une page du livre. Mais je suis pas sûre. Cette collection-là est vieille. Puis, je suis pas sûre que je tripe tout. Peut-être cette partie-là. Ouais. Bon, voilà. Où je vais dans le noir. Ça fait bizarre avec ça, hein? Ah, peut-être pas. Quel vous aimez le mieux? Salut, Gisèle! Je crois que j'aime mieux lui. Ouais. Voilà, trouvé. Ça fait longtemps que j'ai fait une page de même. C'est pas vrai, bon. Cassie, t'es-tu correct? On va te montrer. Elle veut pas, j'allais la voir. Elle boite pas, tout est beau. Je l'ai vraiment accroché. Oh, que je me sens mal quand j'accroche un de mes chats. Donc, voilà. Voilà, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tasser ça parce qu'il m'énerve. Puis là, on va s'amuser. À poids A. Ouais, le rose va être en fond. C'est celui-là. Je vais te faire quelque chose parce qu'il y a trop d'écriture. J'aime moins ça. Voilà, fait que je vais me couper un bout. Il faut aussi qu'il y ait de l'espace pour faire de la pâte à texturer.
Je vais couper mes bandes. Je sais qu'il y en a qui s'attendent. Hein. Je vous laisse pas le temps de décider, puis je coupe, moi, puis... Fait que là, je sais qu'il y en a qui font le défi les mistrons pour être dans les cœurs, puis là, ils ont la grosse pression. Moi, ben, c'est juste pour avoir du fun. Puis je pense que c'est ça le best quand t'as des tournois ou des choses comme ça. Le but, c'est d'avoir du plaisir et non... d'être en gros stress intense. Je pense que je vais y en couper encore un petit peu. Pour que ce soit plus beau. Je l'ai quasiment coupé de ouette. Hein? Bon, je vais le recouper après aussi. Comme ça, je vais moins gaspiller de patente. Oui, avoir du fun, effectivement. Fait que, tu sais, des fois, il y a des gens qui me disent « Ah, t'es pas déçu, t'étais pas d'un coup de cœur, pas pantoute. » Moi, le but, c'est de m'amuser. Hein. En plus, je le fais avec vous. C'est-tu pas beau, la vie? C'est magnifique. Donc, voilà. Fait que là, Jannick, c'est quand tu nous recommences les étampes de Père Noël. Je dis ça, là, d'après moi, t'en vendrais vraiment beaucoup avec le live de la dernière fois. Tu vendrais aussi des photos d'Yann. Tout le monde le trouve beau. Avouez, hein, les filles. Bon, puis d'habitude, je me demande qu'est-ce que vous allez manger, mais là, il est tard. Qu'est-ce que vous allez manger comme cochonnerie en regardant le live? Y en a-tu qui mangent des chips en ce moment? Dites-moi ça. Est-ce que vous mangez des chips? Est-ce que... Pauvre petit cœur, mon chat a peur de moi. Mon chat m'aime plus. Est-ce que vous mangez des chips en ce moment? Moi, ouais, c'était sûr que j'avais collé quelque chose de bizarre. Hein? Bon. Je cherche mes ciseaux qui sont pas là. Brochette de pommes, patates pour dessert. Oh, ça c'est bon, Émilie! Des nerds. Je mange plus de cochonneries, moi. Je mange super bien. Ça serait bon. Mais bon. Hein, on triche pas, comme on dit. Mais le fait que vous en mangiez, moi, ben ça c'est comme si j'en mangeais. Bon, voilà. Il était beau, ce côté-là aussi. C'est fait! Bon. Donc, à date, j'ai du rose. Ma photo, c'est un cœur. Bon, ma page est finie. Petit pain farci, jambon chip. Utiliser des cœurs. Ajouter des cœurs, mais je vais en rajouter d'autres. Page de livre, ça fait-tu plus avec de la musique, ça? I think yes. C'est du Chopin qu'on a ce soir. Fait que c'est sûr que je vais utiliser des pages de musique. Voilà. Fait que là, je suis pas si pire. Je suis pas si pire là-dedans. Puis je vais essayer de me trouver une petite collection pas loin. Qui serait belle avec ça. Au niveau des couleurs roses. J'ai un chat qui veut venir. Ouh, c'est trop rose. Pour petit cœur, hein? L'entendez-vous? Salut, Sonia! Peut-être celle-là. J'ai de l'air de martyriser mes chats. Ah, gros, hein? Des cœurs, du rose, c'est malade. Mais je suis pas sûre que je trouve ça beau. Non. Bon, voilà. Voilà pour cela. On va pouvoir me couper des petits bouts. Des petits bouts de papier, comme je fais très souvent. Pizza aux légumes, viande, caramel. Des rignotines. Pas des rignotines, juste de l'eau. Hot dog et frites, ça fait du bien aussi. Oh. Bon. Tu sais, c'est comme quand...
mes collègues s'entraînent à job, je les regarde puis je dis que je l'ai faite. Donc là, vous mangez des cochonneries, je lis. Puis c'est comme si je les avais mangées. C'est-tu pas beau, la vie? C'est magnifique. Donc, c'est sûr que ça, je vais vouloir... Oups! Pas le tirer à terre. Ça serait une bonne idée que j'arrête de tout gâcher. Je vais vouloir l'utiliser. Je l'ai gardé aussi parce qu'il y avait un peu de brun. Du rose. Puis j'aimerais qu'on voit la fleur. Voilà. Puis celle-là aussi. Pauvre chat. Hein? Qu'est-ce qu'on fait avec des chats de même? Ouais. Bof, salut, Brigitte Bédard. Parce que là, il y a deux Brigitte ce soir. Je vais être mêlée, non? Bon, me connaissant, je vais brocher tout ça, hein? J'étais concentrée, laisse-moi un moment. En plus, là, j'ai... Je vais mettre une petite page de livre, là. Hey, il va-tu avoir les deux? Je me donne. C'est le dernier défi, gang, hein? Faut qu'il y en aille. Faut qu'il y en aille des consignes de Lime Citron. S'il n'y a pas de consigne, ça ne marchera pas. Hein? Je ne sais pas, entre Brigitte Bédard et Brigitte Fournier, qui est plus tannant? À vous de décider, les filles, parce que je pense que les deux, vous n'êtes pas pire tannant. Ah! Bon, OK, c'est assez, c'est une vie calme. Trouvez le papier. Bon, fait que mon endossement est fait. Ceci va aller. Voilà. Choisissons le stencil et la pâte. Ah, l'autre Brigitte est pas mal tannante aussi. Écoute, les deux. Les deux sont assez tannantes. Elle sait pas, pour vrai. Pour vrai, je suis pas sûre que ça serait pas Brigitte Fournier. Je sais pas. Qui est la plus tannante? Bon, là, je cherche mes stencils. Vous vous rappelez que j'ai tout tiré à terre l'autre fois? Ah! Bon, ça fait que ça prend de la pâte à texturer, ça prend... Bon, c'est sûr que je... Les étoiles filtraient, mais non. Les affaires de Noël non plus. Ça fait que là... Oh, peut-être des cœurs. Faut en mettre des petits cœurs. Hein. Celle-là, peut-être celle-là, non, on va jurer. Ça, c'est des belles fleurs. D'ailleurs, Jannick, je suis due pour acheter des stencils. J'ai juste des vieux stencils. En tout cas. Mais c'est correct, les deux, vous êtes tannantes. Hein, tu vois? Les deux tannantes qu'on adore. Fait que super. Donc, je vais faire le fond en... pâte à texturer. Je vais commencer par les fleurs. Je vais aller chercher de la pâte. Je fais couler l'eau parce que je n'étais pas préparée. Fait que j'ai... Un pauvre petit, mon chat est rendu qu'à part de moi. Oh non! Qu'est-ce que je vais faire? Pensez-vous qu'elle va recommencer à m'aimer? J'espère que oui. Bon, ça va être ici. Donc, on va aller s'amuser à faire des fleurs sur le côté. Voilà. En tout cas, le juge en chef ne pourra pas dire que j'ai pas suivi les consignes. Hein? Mais ça ne doit pas être... Tu vas-tu, Jannick, cette année? Ou c'est juste ton équipe?
suis curieuse. Ah, mais oui, non, tu mets des coups de cœur, fait que tu dois voter. Réponds-nous ça, on veut savoir. Sinon, on arrête de participer. J'ai fait une gaffe, fait que ça se peut que ça soit moins beau, surtout dans le rose. C'est pas si pire. Tu me surveilles, c'est bon ça. Écoute, je vais mettre juste tout sauf du lime citron parce que je n'ai pas de lime citron. Mais tu peux surveiller ce que je devrais acheter, par exemple. Parce que là, c'est sûr que des fois, je sors des vieilles affaires. Pas pressé. Voilà. Attendez, je veux juste. Elle veut vraiment rien savoir. J'ai vraiment fait peur à mon chat. Oh, elle va me détester jusqu'à la vie. Oh boy! Fait que là, Yannick. Oh là, je suis rendue stressée. Si tu nous surveilles de même. Mais là, à date, j'ai. Quasiment toutes les étapes. Pâte, ustensile, page d'olive. Il me reste des fleurs et feuillages. En fait, j'ai tout à part la dentelle. Mais ce sera pas dur de trouver de la dentelle. Puis là, j'avais un autre ustensile que je voulais ajouter, mettre des petits cœurs. Fait qu'en fait, j'ai réussi mon défi. C'est fini! C'est fini! Non. Et finalement, là, hein, je viens de finir de masser. Moi, je me pensais zen. Je suis pas tant zen, hein, finalement. Cindy n'est pas jamais zen. Mais quand j'ai massé, j'étais zen, par exemple. Salut, Joanne! Ouh, c'était pas sec. Voilà, un petit peu de petit cœur. Je vais sécher comme il faut pour continuer. Fait que là, je me dis la poule, l'œuf, dessus, les champignons détestables, ben non. Donc, je sèche ça. La dentelle, j'ai une petite idée de quelle dentelle je vais prendre. Là, vous le savez, ça se peut que je la prenne pas, hein, puis que je soumette une autre page lundi. C'est mon genre. C'est mon genre d'en faire une, puis de dire, oh, je l'aime pas, je vais en faire un autre. J'adore ce stencil de fleurs. On voit moins les petits cœurs, mais c'est pas grave. Donc, je vais coller ça, puis après ça, on va pouvoir mettre autre chose. Donc, fait que là, je suis contente. Crème, vous gagnez, c'est le fun pour mes concours. C'est plaisant faire des tirages dans ce temps-là. J'aime bien ça. Bon, je me suis collée. C'était comme ça, j'allais coller les écritures à l'envers. Yannick, réponds-moi donc comment tu as trouvé ma photo de Yann. Puis vous autres, comment vous avez trouvé ma photo de Yann? Vous ennuyez-vous? De voir le beau Yann sur mes créations. En tout cas, moi, je trouve que ça manquait. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Dites-moi donc ça si vous vous ennuyez de lui. La dernière fois, j'ai utilisé ça. Vous n'êtes pas jasante à soi? Vous êtes beaucoup trop concentrés. Je vais mettre un Père Noël, des niaiseries.
Ça, c'est des petits feuillages. C'est qui, Yann? Yann Summer L2. Ça serait un beau titre. Un beau titre lime citron. Ça aussi, ça serait beau, mais pas soleil. J'en ai peut-être un autre. Tiens, coudonc. J'étais en feu d'un truc. Un chipboard. J'en ai des petits cœurs là, qui fitraient là-dedans. Hein? Là, c'est beau. C'est une bonne idée, hein, Yannick, de passer. Moi, je peux passer mon stock de la Saint-Valentin. Beau bonhomme qui chante. Je connais pas. Mais il chante pas, Yann. Yann ne chante pas. Il jouait dans le journal d'un vampire. J'ai beaucoup trop sorti d'affaires. Voilà. Voilà pour les embellissements. Puis là, on va s'amuser avec les étampes. Quand j'ai sorti mes étampes préférées, j'ai sorti l'étampe de dentelle. T'en rappelles-tu? Cette étampe. Tu sais, si je serais préparée, là, ça serait beaucoup plus fun, mes lives. Et vous m'entendriez moins dire de niaiser. Ah! Attends, je les mets dans tête. Salut, Amélie! Amélie, c'est le temps là, de demander la peau. La Jeannick est là. Donc, d'après moi, j'utiliserai pas ça, à moins de mettre de la texture brune. Ça pourrait être beau. On va faire un test. Salut Nadine! Non, c'est pas un chanteur, c'est un beau gosse. Finalement, on voit pas la pertinence de cette dentelle. Ah, peut-être de même. On voit pas, hein, que. C'est ça que j'expliquais l'autre fois, c'est que cette étampe-là, ben, elle est super belle, mais c'est tellement des petits détails que on les voit pas quand on fait tout ça. Mais bon, c'est pas grave, ça fait de la texture. Moi, je trouve plus beau Yann que Lucifer. Mais bon, Lucifer est drôle. Salut Lynn! Ouais, Lucifer est drôle aussi. Ces deux personnages. Donc, j'ai mis de la dentelle, mais je vais en mettre d'autres parce que j'aime pas l'effet que ça fait. Il y en a un peu, là, mais ça paraît pas trop que c'est ton étampe de dentelle. Fait que ça va être décevant. Décevant. Décevant, je veux gagner, je veux gagner. C'est pas vrai. Ouais. Je suis concentrée, hein? Qu'est-ce qu'on y fait à lui? On le met où? Ah oui, 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 il va en avoir de la vraie dentelle. C'est sûr qu'il va y avoir de la vraie dentelle. Là, je fais juste m'amuser à rajouter des affaires, mais j'aime pas ça. J'aime pas ça. Fait que là, ma dentelle que j'en ai de la blanche ou j'en ai de la noire. Ça va être mon titre. Ça va être mon titre. Donc, à date, il y a juste 3 personnes qui mangent des cochonneries. J'ai encore faim. Moi, devinez ce que j'ai mangé. Je suis sûre que vous allez le trouver tout de suite.
Parce qu'à chaque fois que je fais des lives, on dirait que je mange ça. Vous allez dire, elle, c'est madame. Ça. Sûr. Qu'est-ce que j'ai mangé? Elle, c'est des chipboards de Limstron, hein? Vous savez? C'est quand même le défi Limstron. Avec un moule, là, je vais peut-être prendre ça pour mon défi. Hey, ça, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. T'aurais dû me le prêter. Les petits cœurs vont être à la fin. Les titres aussi. J'hésite. Salut, Sylvie! Ah, Lise, bravo! Tadam! Ben oui, j'ai mangé de la bavette. Vous savez que pour être baveuse, faut manger de la bavette. Moi, je suis correcte. J'en mange souvent. Fait que je dois être baveuse. J'hésite à mettre. Oh! Ça se peut que j'aime ça. Celui-là, on va y mettre du 3D, si j'en trouve parmi mon bazar. Savez-vous quoi? J'ai retrouvé ma femme de ménage. Oh! Yeah! Non, j'ai pris, c'est de la bavette. Bravette. Elle l'a trouvé, bravo. Yeah! J'ai des nouveaux dots. Puis, ouais, ma femme de ménage, elle a recommencé. Fait que c'est juste parfait. Ça aussi, ça... Ah oh non, c'est pas du Limstron. J'ai rien dit. Donc, même si mon bazar est là, au moins, c'est moins le bazar partout dans ma maison. Ah! Oui, excuse Nadine, je viens de lire ton commentaire. Effectivement, ta fille, elle mange pas de bavette. Elle devrait commencer à en manger. Elle serait autant baveuse que moi. Mais bon. Voilà. Fait que j'ai mangé de la bavette, moi, la petite baveuse que je suis. À date, il y a ça, des Limstrons. Je pense juste à la coller. Oui, avez-y de la bavette pour être baveuse. Et c'est vrai, j'ai toujours pas réservé mon week-end à Mistron. Oups! J'espère qu'il va rester de la place. J'y pense quand je fais le défi, quand je fais des lives, puis après ça, oups! Cerveau de Cindy, elle oublie. Fait que ça, c'est fait. La dentelle, je vais aller chercher mon bac à dentelle. Ah, j'en ai là. Je voulais en mettre de la noire. Tu sais, vu que c'est des fleurs, mais... Je vais la laisser pas loin. Ouais, blanche, c'est pas mieux non plus. Ceux-là, c'est non. Ça peut être le bordel chez nous. Oui. Je vais aller chercher mon autre pot de dentelle. Tu sais, c'est pas que je n'ai pas de la dentelle. J'espère que c'est ça le défi. Veux-tu... Oui, ajoute mon nom, Yannick. C'est sûr que je vais y aller. Quand j'avais vraiment envie. Ah! Non, tu veux pas que ta fille soit baveuse. Je veux... Nathalie aussi, elle y va. Fait qu'on veut faire récidiviste. Un récidiviste. Bon, je n'ai pas de la dentelle de bord. Hein. Fait que là, on va essayer de trouver quelque chose qui fitrait avec ça. J'ai accroché avec mon fond. Désolée si ça a shaké. Pas tout à
vraiment beau de la dentelle, hein? Fait que des fois c'est beau, mais des fois ça fit pas avec le style. Peut-être c'est là. Bon. J'ai tout mis là. Pâte, pas gelée, fleurs utilisées, fleurs feuillage. Fait que là, après ça, je vais pouvoir maintenant voir le bois. Tout est mis. Hein? C'est bon ça? Je pense que oui. Nicole, t'as peu. Yannick, réponds-nous ça. Est-ce qu'on peut donner notre nom déjà pour le week-end, les citrons? J'imagine que oui. Je pense que s'ils sont ouverts. Je pense que c'est ouvert au public. Moi, je vais être tranquille ce week-end-là. Mais le dernier, j'étais tranquille, pareil, là. Ça va être là. Mais là, je vais venir m'amuser à mettre un petit peu de fleurs et de trucs pour que ça me ressemble plus. Ça, là, je l'aime bien aussi. Mais je crois que j'ai déjà... Bon, tu vois, Nicole, t'étais même pas au courant que t'étais obligée d'y aller. Avant la pression, cette Yannick. Mais non. C'est cool! Mais tout le week-end, là, ça va être le fun. Puis, c'est sûr que le COVID va être fini. C'est sûr que ça va être fini. Moi aussi, j'ai hâte. Quand le party pogne, là, c'est assez le fun, hein? Boum. Ça, non. Voilà. Donc, ma dentelle là, que je voulais mettre noire. Je suis pas sûre. Je les ai tellement vus, ces fleurs-là, que j'ai comme pas le goût. Bon. Ça. Ouais. C'est parce que tu t'en vas te coucher, Yannick, que le party pogne. C'est juste aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Donc, je vais mettre des fleurs roses. Celui-là, il fit. Puis, fleurs blanches, on en a l'autre, je pense. Cindy prend la relève. Oh, Nadine, yes, sir! Tu vois, Yannick, donne-moi donc une cote, là. J'étais en train de booker ton week-end. Non, c'est pas vrai. Je fais des blagues, hein? Blagues, sarcasme, comme je fais tout. Ouais, Cindy, elle s'énerve quand Yannick s'en va, elle est moins stressée. C'est pas vrai du tout. Hey, Yannick, elle va penser qu'elle me stresse, pas en tout. Pas en tout. Une fleur blanche aussi, ça serait beau. Ça serait beau là-dedans. Ouais. Salut, Sophie! Ça fait longtemps. Ouais, la poule. La poule ou l'œuf? La poule ou l'œuf? Je sais pas, je vais vous la sortir, la poule, parce que... Elle va avoir honte. Puis si je la sors à tous les lives, le monde va arrêter d'écouter mes lives. En tout cas. Hey, j'arrête pas d'accrocher la caméra. Avez-vous mal au cœur? Oh! Ça serait bon, ça! Oh! Oh! Ça, j'aimerais ça. C'est quand? Ma factrice peut aller la chercher quand tu veux. Écoute, c'est bien. Tout le monde me demande de mettre dans ma boutique les produits, mais... Comme tu es une personne québécoise qui a une boutique en ligne, je mets ton lien ou je parle de toi. Ça me fait plaisir, plaisir, plaisir. Mais, oh oui, j'espère que c'est pas plein de badges. Je fais des blagues. J'en mets moins des badges. Hein. J'ai mis sur la première page, je pense. Je suis moins badge ces temps-ci. J'ai pas les bonnes ciseaux. Mais ça me ferait plaisir de faire un live juste de lime citron.
Mais en fait, j'en fais déjà, hein? Je fais mes défis. Qu'est-ce que je vais faire après le tournoi? Je vais m'ennuyer. Bon. Je suis en train de destroyer les fleurs, mais ça se peut. Je serai pas fleuriste en soir. Mais bon. Fait que là, Jannick, elle va nous ressortir dans ses nouveaux produits. Elle vient de le dire, hein, le Père Noël, la poule. C'est ça, j'ai lu. Salut, Naël. Mon album. Ah, oh, mais il est fini, mon album, Lise. Ah, oh, un album que je fais la couverture. Ah, oh, c'est bon, ça. C'est bon, ça. C'est très bon. Bon, là, des fois, je prends mon gomme, des fois, je prends ma colle. Ça dépend comment je file pour que ça colle vite. Oh boy, j'ai magané ça, ça. Ils sont magnifiques, les fleurs primo, mais... Ils sont pas solides quand tu t'appelles Cindy. Oh, le... oui, c'est vrai. Ah, oh, elle les connaît, mes bacs, elle est trop. Jannick, là, elle sait tous les produits que j'ai quasiment. Presque. Parce que c'est elle qui me les a vendus. En fait, il faut juste que j'aille pas trop dans l'atelier parce que je veux tout prendre. Je suis concentrée quand j'ajoute des fleurs. Hey, je les aime plus, ces fleurs-là. Ils décollent toutes. J'ai trop coupé. Salut Martin. OK, la page. Excuse-moi, je suis pas vite, hein? Finalement, pour vrai, je pense que le massage m'a mis zen. J'aime plus le titre où je voulais le mettre. J'ai trop mis d'affaires. Ah, ici. Tiens. Ouais. Merci. Je les aime bien, les fleurs, mais pas défaites de même. C'est des vieilles fleurs de Prima, gang. Bon. Pauvre chat, hein? Je bats mon chat, puis l'autre, il veut sortir. Ouais. Ma colle est transparente quand elle sèche, fait qu'elle me stresse moins. J'allais me chercher d'autres petites fleurs. Blanches. De trouver. Celle-là, c'est la même couleur. Voilà. Fait que là, une chance que j'ai pas fait mon live hier. J'ai essayé mes nouveaux produits. Il y en a peut-être qui m'ont entendu sur ma page perso. Là, j'ai fait un petit... un petit live, puis Colin, c'était comme si j'avais pris un Red Bull. Fait que c'était pas une bonne idée. Faut pas que je prenne ça avant des lives bricots. Sinon, je vais vous taper ses nerfs encore plus.
Tu vas être obligée d'aller rechercher des fleurs. Ah, peut-être pas. Peut-être pas. Ça va faire la job. On va mettre des petits cœurs, des petits... Je vais mettre les embellissements. Après ça, on va mettre un peu de couleur. Ça, j'en ai plus besoin. J'ai pas mis beaucoup d'étampes ce soir, hein, parce qu'il fallait mettre des fleurs. De la dentelle. Ah, peut-être que ma fleur noire que je parlais tantôt, ça ferait beau. Ça va me perdre la voix. Peut-être. On va couper ça. Salut, salut Nathalie! Ouais. Ça va être parfait. Il va y avoir deux sortes de dentelles, fait que je suis correcte. Avez-vous mis de la dentelle, vous autres, dans votre défi? Fallait-tu en mettre? Yannick, réponds-nous. Excusez, j'ai raclé dans... J'ai en train de perdre la voix, peut-être que j'ai le COVID. Moi, je pense que ça en prenait. Yannick, mets-moi dans ma commande ça, c'est donc bien beau. Non, je vais commander tantôt. Mais peut-être pas tantôt, peut-être demain, là. En tout cas, bref, ça dépend si tu trouves l'énigme. Ben, mais Sam, c'est dans l'énigme, ça. C'est ça? Hey, Yannick, on s'est demandé ça, des filles et moi. Est-ce que l'énigme compte? Oui, ça compte pour un point, hein, mais est-ce que être coup de cœur compte pour être un point de plus ou non? C'est juste pour le fun, les coups de cœur. C'est une question que quelqu'un m'a déjà posée. Je savais pas quoi répondre. Hey, ces feuillages-là sont magnifiques. Je capote dessus. Je capote bien raide. Vous autres, capotez-vous? Dans l'énigme, ça prend des feuillages. J'en ai. Ah, je savais que c'était pour le plaisir, fait que bon. Phew, j'étais pas folle. Merci, Yannick. Parce que je sais qu'il y en a pour qui sont des fois déçus de pas être pris dans le coup de cœur, puis tout ça, puis moi, ben, ça me dérange pas. De pas être pris coup de cœur, parce que le but, c'est d'avoir du fun. C'est ça qui est le plus important. Si on n'a pas de fun, ça fonctionne pas. Bon, des petits mots, ça serait beau. Un petit mot là qui paraît pas trop, qui fait juste parfait. Quelques petits cœurs. Quelques petits cœurs. De bonheur. Les feuillages, sinon, c'est des nouveautés. Arrêtez de dire que je mets du vieux stock sur mes pages. oui, c'est des nouveautés, les petits feuillages. Yannick, t'en restes-tu? J'espère. En tout cas. Sinon, fais-en. J'en veux d'autres. Puis, les petits cœurs, je sais pas si t'en fais. Des fois, t'en fais juste pour la Saint-Valentin. Mais les petits cœurs en chipboard, tu en as. Mais Sam, j'en ai vu au week-end. Peut-être, c'est peut-être plus ces petits cœurs-là, mais t'en as peut-être une autre sorte, là.
Il me semble que t'en fais plein. L'habitude des tiqueurs. Merci, Marjolaine. Je vais essayer de l'embellir. Je pense que je vais être obligée de la mettre dans le défi. Donc là, je vais coller quelques petites fleurs. Cœurs, pas des fleurs. Fait que là, comme ça. Je vais réussir le défi. Les petits... c'est des nouveautés de l'automne. Oups! Oups! Il s'appelle... Merci! C'est en 2018! Hey boy! Là, là, Yannick, à chaque fois que je sors des affaires, les citrons, j'ai l'impression d'être la has-been. Je sais pas si elle est collée. Ouais. Pour moi, il faut que je renouvelle mon stock. Mais ça faisait un petit bout que je bricolais moins, hein. Fait que là, c'est sûr que je ressors des affaires. Faut toujours s'attendre à ce que peut-être c'est plus disponible. Surtout si je sors les badges. Oui, vous pouvez commander limcitron.com, gang. Vous avez, c'est ça, limcitron.com, un super site et super rapide à faire la commande, malgré le moment qui est là. La livraison est pas chère. Salut Chantal! Faudrait vraiment la poule. Tu veux, vous voulez la voir la poule? Hey, Jeannick, tu vas m'aider. Hein? Ok. C'est parti, je vous le remonte pour toutes celles qui le demandent. Jeannick, il fut un temps où elle a sorti beaucoup, beaucoup d'étampes, la poule, là, là. Mais juste en étampes numériques. Ok, bon, je sais pas si vous l'avez vu. Écoute, c'est la vieille étampe. Merci, Chantal. Tadam! Puis là, ça, c'est vraiment au début, là, hein? Dans exclusivité comme imagination, toujours. Écoute, c'est fini, ça, ce temps-là. Longtemps. Après ça, le magnifique Père Noël, il est loin, je l'ai pas. Et ça, c'est le champignon de feu. Salut, Lauriane! Hey, t'es arrivée chez vous? C'est bon, ça? Lauriane, tu vois, je me suis déjà occupée à faire autre chose. Ouais. Un champignon extraordinaire. Puis, t'avais aussi sorti un hibou. Lui, il est pas laid. Hey, 2011-2012. Oui, en numérique, tu peux. Écoute, ça, là, elle a fait une erreur. C'était supposé, regardez. En tout cas, ça, c'est drôle. Bon, hey, mais les papillons sont toujours à mode, là. Ça, ça va. Veux-tu que je mette cette étampe-là comme feuillage? Non, il y en a assez. Puis, il y a eu un temps où ce que Yannick a faisait du hors-journal de la texture. Fait qu'elle avait sorti une collection avec un... Celle-là, là, est crème. Tout le monde le voulait, hein? 6,99 dans le temps. Bon. Fait que voici les guéris, les citrons. Arrêtez de vouloir faire en sorte de t'acheter mes trésors. Faudrait pas que vous demandiez ça à Yannick puis qu'elle soit pognée pour en refaire. Père Noël, il est loin. Fait que je l'ai vu, là. Je vous l'ai montré souvent, le Père Noël. Donc, un autre petit cœur. Ça serait parfait. Hey, c'est assez le fun de faire tes défis. Moi, je vote pour un double tournoi. Lauriane, d'ailleurs, qui est sur mon live, c'est ma cliente que je viens de masser. Donc, elle a eu le temps de se rendre chez eux. Là, elle doit être découragée de voir que je suis en train de faire quelque chose d'autre. Mais bon, l'important, c'est qu'elle est rendue. Elle reste à Lévis. Donc, c'est une méchante trotte pour venir se faire masser. Mais écoutez, je suis attachante. Hein? C'est ce qu'ils disent. Bon, je vais y mettre de la petite couleur, mais là, je me demande si je mets du brun. Ou du rose, j'aimerais ça en mettre un peu. Je pense que ça va être plus du rose. Puis je vais utiliser mes sprays Lindy. Puis l'Imica, ça c'est l'Imica rose de Finaber. Je trouve qu'il fait très. Puis
Je vais me prendre un autre petit rose de Lindy pour aller jouer dans le la texture. Hey, double tournoi, je viens de t'inventer ça, Jannick. T'es dans la boîte. En fait, là, ça serait malade. Imaginez trois choses. Non, mais il y a les défis du mois qui sont super trippants. À chaque mois, puis Jannick est généreuse. Elle donne vraiment des beaux cadeaux. Tu sais, il n'y a pas juste... Il n'y a pas juste le tournoi. Puis le tournoi, c'est vraiment de la job pour les DT. Je le sais. Je vais juste me chercher de l'eau avant de travailler avec de l'encre. Fait que... Oh, t'es donc bien fine, Lauriane, mais j'aime vraiment ça être massothérapeute. Fait que je m'ennuyais vraiment de ça, gang. Fait que je suis bien contente que ça aille recommencer. Moi, ça me fait du bien. Ça fait du bien à mon chum aussi. Je suis plus calme. Puis c'est ça. Oh oui, effectivement, j'ai hésité, Amélie, parce que je voulais pas le finir tout de suite. Ouais, je vais y aller avec celle-là pour commencer. Là, j'ai pas mis de gesso, fait que... Je suis un peu... Hein? C'est rare que je vais avec les sprays directs, mais je veux que ça soit dans le... dans la pâte à texturer un peu. Ça, c'est juste du mica, fait que c'est pas trop foncé. Ça va venir ressortir le tout. Puis là, après ça, les Lindy sont un petit peu plus foncés. Donc, en passant, là, j'avais écrit le 15 juin pour la commande Fabrica. Puis, aussi pour les autres trucs. Donc, mettons Lindy ou les autres choses. Comme Fabrica, c'est ultra long à cause que de Post Canada en ce moment, ben on n'a même pas reçu l'autre. Fait que ça se peut que je prolonge un petit peu. Peut-être qu'il y en a qui veulent recevoir leurs choses avant de commander, voir s'ils aiment ça. Sinon, je peux faire deux commandes aussi. Ça pourrait être le fun aussi. Voilà, je vais cacher la photo. J'ai fait une bavure. Fait qu'on va y... on va y en faire un peu plus. Vu que Jannick regarde, je ne mettrai pas du gesso en éclaboussure. Pensez-vous que je suis capable? Je les jette! Les jette, Chantal, mes affaires. Si tu veux de quoi, faut que tu viennes dans mon truc avant que je les jette. C'est ça le truc. Puis là, l'autre fois, Vicky était là durant mon live. Elle m'a volé des affaires et les amenait à Emily. Amélie. Fait que non, écoute, si je me mets à vendre mes œuvres, là, c'est parce que mes amis, là, ils doivent dire que je vends tout. J'avais de vendre mon chum. Je sais pas comment je le vends. Les autres aussi, je vais en rajouter un petit peu. Un papier qui boit, hein, fait que on dirait que j'aime. Mais c'est pas si pire, j'aime bien ça. Peut-être un petit peu de brun. Ouais. Un petit peu de brun. Pourquoi j'y vends pas? Je sais pas. On appelle ça le syndrome de l'imposteur, je pense. Ça se vend pas des créations du scrapbooking. Ouais. Tu viendras. Le prochain coup, là, Lauriane, tu viendras en bas, tu choisiras quelque chose. Hey, je suis concentrée quand je fais des gouttelettes. C'est le seul moment que je parle pas. Quasiment une test. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'elle va passer le test pour le tournoi Les Moustrons? Est-ce que vous pensez que ça va être accepté? Écoute, Chantal, je vais te... Salut, Martine! Chantal, je vais te mettre mon agenda
création pour que tu vendes mes affaires. Ça se met dans un cadre. Ben, pas ça. Ça se met pas dans un cadre. En tout cas, bon, bref, c'est pas grave. J'aime bien ça. Fait que ça passe-tu le test du Limstrom? Je vais checker ma liste. Checking list. Utiliser du rose, il y en a. Ajouter des cœurs, il y en a plein. Utiliser des fleurs ou du feuillage, il y a les deux. La pâte et du stencil, il y en a partout. Page d'un livre, il y en a là, puis il y en a aussi de musique. De la dentelle, il y en a en étampe, puis il y en a de la vraie. Fait que, hey, je vote coup de cœur. Mais non, écoute, vous pouvez voter. Merci, Jeannick, t'auras pas le choix de me choisir en coup de cœur. Je niaise. Voilà, ma création. J'espère que, Jeannick, j'ai pas mis trop d'affaires vieilles dedans. Peut-être l'étampe de dentelle qui se retrouvera plus, là. Il t'en reste encore? En tout cas, bon, bref, mais ça m'a fait plaisir de prendre un petit live avec vous. En fin de semaine, je travaille. Je ne crois pas avoir le temps, mais la semaine prochaine, j'ai moins de boulot. J'ai une coupe de massage, mais si vous me dites qu'à 8h30, ça a de l'allure, ben, je vais essayer de vous placer à 8h30 pour faire des lives si c'est pas trop tard. Mais un gros merci pour toute la gang qui me parlait, qui est là. Ça m'a fait du bien. Puis, je vais pouvoir la prendre en photo puis faire mon édition vidéo pour le tournoi qui se termine. Moi, je l'ai fini, colibine. Puis, aussi, surveiller ma page. Je vais rajouter un autre tirage là de crédit en magasin, sûrement. Mais, c'est ça. Peut-être dans le courant de la fin de semaine. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça arrête de l'allure. Fait que, profitez-en bien. Bon dodo, bon repos. Puis moi, je vais aller passer un petit moment avec mon chum. Hey, c'était le fun! On a hâte à d'autres lives. Puis, Jeannick, j'embarque dans ta commandite. Si tu veux que je parle de des produits, ça va me faire plaisir! Salut, gang! Bye, bye!